Ce sont de fantastiques variétés de vins que l'on trouve le long du Rhône. Des appellations comme Saint-Joseph ou Croz-Hermitage offrent des vins généreux et épicés, pouvant se déguster assez jeunes. Le caractère généreux, chaleureux et épicé constitue le point commun entre les vins abordables des Côtes-du-Rhône et les appellations plus renommées comme Châteauneuf-du-Pape. J'adore la Serra, j'adore l'appellation Croz-Hermitage. Et chez Domaine du Muronnet, récemment dédié 2011, c'est un très joli exemple. La Serra ici montre des notes fumées, grillées, viandées et épicées, avec une très jolie fruit noir, la mûre, le cassis. C'est plein en bouche, c'est épicé, riche et long. Pour moi, c'est tellement un vin un peu sauvage, viandé, fumé, épicé. En même temps, c'est un vin qui est un peu jeune, donc qui a de la vivacité. Ouais. Et il fallait ça parce que il fallait pas un vin trop structuré pour aller avec le chevreau, parce qu'on a un chevreau quand même qui est assez léger. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner avec le foie et le rognon de chevreau dans une petite blanquette au morille, qui amène là aussi cette liaison avec la douceur de la viande et la puissance de la morille et du rognon.